Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le 29e épisode du Let's Play sur Rise of Stormrider. Aujourd'hui épisode secondaire, on va un peu ratisser large dans toutes les zones pour faire ce qu'on pouvait pas faire auparavant car on a débloqué un nouvel objet. Alors je sais plus son nom mais c'est l'espèce du coup de... de lasso, c'est la corde de fer je crois, un truc comme ça qui va nous permettre du coup de nous balancer de... Voilà, récupérer des trucs qu'on pouvait pas auparavant, comme j'ai déjà répété. Et on commence du coup directement ici. Voilà, je me suis TP directement du coup au vallon maudit pour récupérer ce premier document. Et après, on ira du coup récupérer le second qui se trouve là-bas. Voilà, et je crois qu'il est pas très très compliqué à atteindre. Donc normalement, ce sera plutôt rapide. Et ensuite, on retourne à la vallée thermique. Hein. Donc là, il y a le document. Direct. Direct, on perd pas de temps. Ivan, je pensais que ce serait simple. La plupart de ces brutes puantes prennent ce qu'ils veulent aux prisonniers. J'avais choisi Ivan parce que je croyais qu'il céderait. Mais c'est pire que ce que je croyais. C'est un homme bon. Il déteste cet endroit tout autant que moi. Ça ne veut plus rien dire quand je pense qu'il mange et dort bien. Mais il a un sens moral, contrairement aux autres. Cet endroit le dégoûte. Il connaît son rôle et il le déteste. Je l'ai surpris en train de se rebeller quand il pensait que personne ne le regardait pour calmer sa culpabilité. Je lui ai dit que ce n'était pas assez. Je lui ai appris à en faire plus. Nous avons bien travaillé ensemble. Nous avons préparé notre évasion. Mais il est trop tard. Je suis enceinte. Nous sommes condamnés. Putain, mais c'est un document ultra important, ça. Donc ça tourne encore autour de la sorcière, du coup. Mais ça, c'était ultra important. Eh bien, dommage qu'on ait attendu autant de temps pour l'avoir, mais bon, il n'y avait pas le choix en même temps. C'était obligatoire. Du coup, on va se TP au niveau de la grosse arène de boss, hein, je l'appelle comme ça. Normalement, ouais, c'est au tout début, hein, je crois qu'il faut nager là, et après on arrive à la zone. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, donc on va voir. Mais normalement, non, je devrais pas trop galérer pour récupérer ce document-là. Et au moins, bah voilà, Vallon Body sera une zone en plus 100%. Donc c'est cool. Du coup, c'est ce TP là. Mine de rien, on avance vraiment bien, quoi. Hein. Toutes ces zones comme ça complétées à 100%, c'est pas rien. Hein. Du coup, la série, je pense que on la fera plus à la fin. Avant, par exemple, ouais, la fin du jeu, ça me paraît être le bon moment. Et du coup, si je dis pas de conneries, il faudra aller dans le menu et on pourra relancer le niveau. Et pour alors, voilà, on aura la série. Après, je sais pas comment ça se passe. Du coup, il faudra tout refaire ou pas. Je sais pas, faut voir comment ça se passe, les rejouabilités comme ça de niveau, mais en tout cas c'est sûr, on pourra y retourner et récupérer. Soit il faudra tout re-récupérer et tout re-refaire, soit ce sera uniquement les trucs qu'on n'avait pas récupérés la première fois. Faut voir, je regarderai ça plus attentivement le moment venu, mais pour l'instant c'est pas quelque chose qui nous intéresse plus que ça. Non. Ok, alors... Alors déjà je vais mettre le marqueur. Comme ça paraît loin, c'est vrai. Mais je crois que c'est pas forcément le cas. Elle est toujours là. Du coup, fallait descendre par là, je crois. C'est quel endroit qui nous permettait d'aller dans l'eau là? C'était pas par là? Non, peut-être pas, non. Le mec il est paumé en fait. C'est pas accessible ça avant, je sais pas. Attendez, c'est peut-être pas forcément par là en fait. L'accès, c'est plus par là, non? En fait, je crois que c'est par là, mais je suis pas sûr. On va voir ça. Parce que là, en tout cas, je vais vers où? Ah bah non, je vais à l'opposé, c'est pas possible. Je regarde quand même, mais non, c'est pas possible du coup. Non, effectivement, c'est pas du tout ici. À mes souvenirs, c'était pas un truc difficile à atteindre, mais bon, faut maintenant réussir quand même à l'atteindre, quoi. Mais normalement, c'est pas isolé, quoi. Hein. Il faut pas non plus faire 10 mid jump avant d'y arriver. Tu peux toujours interagir avec. J'ai arrêté toutes les cuves. Ah oui, effectivement. Tu peux explorer l'endroit sans, tu sais, devenir folle. Ah, il nous l'avait pas dit, ça. Bon, on le savait du coup, hein. Vu toute l'exploration qui avait été faite, mais il nous l'avait pas dit. Alors, par où? Par là, je pense, hein.
Définitivement, je pense que c'est vraiment par là. Faut y accéder plus facilement. On va aller à la nage comme ça, je pense. On peut directement aller par là. Mais je pense que ouais, c'est cette entrée là. Ça correspond bien, on va dire. Oh, ça pourrait très bien être en face là aussi, mais non. De toute façon, là on est plein, ok. Je pense vraiment que c'est là, à côté. Ah si si si, c'est ici, c'est ici. Ouais, c'est bon, c'est ici. Je m'en rappelle. Du coup là, on va s'accrocher. Enfin, ça c'est ultra utile par contre, parce que là je serais tombé. Ah ça c'est bien ça. On aime bien, on apprécie. Quand tu vois, je ferai des sauts fail, bah, je pourrais toujours me rattraper. D'ailleurs, oui, on pourrait arriver également par en haut. Et donc là, j'ai plus qu'à faire ça. Hop. Et voilà. Enfin, le document qu'on avait tant miroité. Et le dernier pour avoir le 100%. Je suis le dernier. Il y en a d'autres, des spectres. Histoire de la seule série, voilà. Trophée. Ils n'ont plus rien d'humain. Leurs visages me sont familiers. Et ils crient à l'aide avec les voix de mes amis morts. Mais je ne croirai pas à leurs mensonges. Mon épée les tient à distance, ou elle les fait taire s'ils ne cessent pas de crier. J'ai essayé de nous mettre en sécurité, vraiment. Mais quelqu'un a fait effondrer les passages qui menaient à la cité. Lorsque nous avons compris qu'il n'y aurait pas d'échappatoire, nous nous sommes dressés les uns contre les autres. Désormais, un fou portant un arc est perché au sommet du vallon. Et il abat les oiseaux messagers que j'envoie pour demander de l'aide. Les spectres reviennent, plus nombreux que jamais. Personne ne survivra à ce vallon. Et c'est peut-être mieux ainsi. Que ces derniers mots servent d'avertissement. Ah, je suis aussi, c'est intéressant. Donc, on a le 100%. Voilà, il n'y a plus qu'à retourner au feu de camp. On va limiter la chute. Oh, excellent, c'est parfait, c'est bien joué. Et du coup, bah maintenant, direction la vallée du thermique. Alors, par quoi commencer? Putain, ici, j'avais toujours pas à délivrer le passage. Bah, c'est chose faite. Même si on retournera plus ici, mais oui, c'est chose faite. C'est bizarre. Dans mes souvenirs, je l'avais fait pourtant. Peut-être que ça avait pas sauvegardé quand j'avais fait, je sais pas. Hop, hop, hop. Les petites munitions de pompe, ça fait plaisir. De toute façon, j'avais même pas de pompe quand j'étais venu ici, donc c'est sûr que j'avais pas pu ramasser ça. Hein. Je pense pas que ça a spawné depuis non plus. Ah oui, mais non, par contre, je suis con, fallait pas monter. C'est le bruh. On passait par ici. Non, pas par ici. Par là. Il y a tellement d'issues, tu sais. Oui, c'est par là. Allez, à plus. Donc, ouais, par quoi commencer? Est-ce qu'on retourne au tout début de la vallée géothermique et on fait tout ce que j'ai raté là? Et peut-être même du coup d'autres trucs qui sont débloqués. Je pense que c'est le plus judicieux. Donc, est-ce qu'on retourne au début? Ici, normalement, il n'y a rien, en fait. Mais si, je vais quand même refaire tout le début. De toute façon, c'est une zone qui est vite traversée, donc c'est pas très grave. Mais je préfère, ouais, me TP ici. Je crois savoir, de toute façon, quel tombeau était bloqué par, bah, par le truc, là, pour, ce... pour faire le balancement, là. C'était celui qui était derrière... à côté d'une cascade, non c'était même pas derrière une cascade, c'était à côté, au niveau de la forêt. Donc là, de toute façon, le premier qui est vers la tanière d'ours, là, lui, il faut un respirateur. Et il y avait un autre tombeau encore, mais lui, je sais plus. Il y avait qu'un seul tombeau, il fallait un respirateur, je crois. Hein. Oui, alors, il y en avait deux. C'est bizarre qu'il y en ait deux. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. On va voir. De toute façon, les tombeaux, on en a fait combien? On a fait deux. Si on en a fait deux, il y en avait quatre. Bah s'il y en a quatre et que j'en ai fait deux, de toute façon, on sait comment atteindre les deux derniers. Voilà, au moins c'est simple. Et il fait nuit du coup aussi maintenant. Ah oui, c'est intéressant par contre. Mais ouais, du coup, attendez, tombeau. 2 sur 4, ouais. Donc on a celui qui est bloqué avec le respirateur qui se trouve du coup ici. C'est celui-ci, ouais. Et on a celui-là, du coup, qui est lui bloqué normalement avec le truc là. D'où on peut accéder maintenant, du coup, c'est celui-là. Ouais. Donc, moi, il y a toujours ça quand même qui me pose des questions. Comment on atteint ça? Donc, on va peut-être aller voir. Je pense pas que c'est avec ce qu'on a obtenu que ça va être bon, mais autant aller checker. Après, l'histoire des lapins, là, pour le défi, ça, je m'y intéresse pas pour l'instant. Je verrai avec la soluce, mais on va au moins aller voir là-bas, déjà, pour commencer.
après on verra au fur et à mesure. De toute façon là vraiment ouais, épisode secondaire, donc on va pas avancer du tout principal hein. Je sais même pas si, bah si normalement je pense qu'on ira quand même là où on s'était retrouvé en fin d'épisode la dernière fois, mais sinon non. D'ailleurs ici il faut faire gaffe parce qu'il y a sûrement l'ours qui a respawn. Attention, attention. Mais là si vous vous rappelez bien, il y avait des trucs qui nous barraient la route. Comment y accéder là derrière, sachant que c'est un pur cul-de-sac si je me souviens bien. Parce que c'est pas par une autre voie où on va y accéder hein. Ah bah non. C'était comment déjà du coup? Ah c'était ça qui nous bloquait. Et là comment tu vas? À moins que tu puisses le détruire, hein, peut-être. On peut toujours tester, mais non, je pense pas. Déjà, ok. Non, 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 ça marche pas. Comment on fait? Ah, non plus, tu peux pas sauter. Je sais pas du tout comment on y accède, alors que regardez ça. Voilà, on peut y accéder par là quand on arrivera comme ça là. Par là, cette zone qui se trouvera ici là. Vous pensez que ça communique ça? Je sais pas. Est-ce que ça communique? Si ça communique en fait, je suis con et je m'étais pas rendu compte. Ça communique peut-être et ça fait tout le tour en fait. Du coup on peut le faire. D'ailleurs il y a le plongeon ici. Mais oui c'est peut-être ça en fin de compte. Hein. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas plus de questions à se poser, ça doit être ça. Du coup, de ce côté-là, normalement, on n'a plus rien à voir. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a l'histoire des plongeons, là. J'en ai fait qu'un pour l'instant, je crois. Voire même pas, d'ailleurs. Bon, les défis, tout ça, on verra à la fin. Les défis, vraiment, c'est pas ce qui importe, hein, pour l'instant. D'ailleurs, ça, j'aurais pas dû le faire. Non, non, non. Il y a vraiment rien. Je revérifie. Non. Il faudra vraiment attendre d'aller à la prochaine zone. D'ici, comme ça. D'ailleurs, je pense que... On va sûrement... Ouais, c'est ça. Du coup, on vient de là. On est d'accord pour la suite. On va sûrement devoir aller là. Ici. Et on va avoir accès à la prochaine zone qui va nous ramener après à la vallée géothermique. Moi, j'aime bien le cheminement. Ça m'a l'air ultra logique. Du coup, bah, direction la forêt maintenant. Par là. Où on va, du coup... Bah, on va aller direct vers le tombeau, en fait. Parce que sinon, dans la forêt, il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ça sert à rien de faire le tour par là, autant de descendre par ici. J'ai pas vérifié si le tombeau était bloqué par le respirateur, mais je suis sûr à 95%, donc j'y vais pas. Pour moi, vraiment, c'est le respirateur ouais, qui nous bloque. Ok, ça c'est con par contre, la petite chute. Ah oui, mais merde, attendez. Oh le con. Oh le con, c'est vrai. Je suis con, il y avait le cache de monnaie à récupérer là. Oh non, va falloir monter. Ah oui, il y a le cache de monnaie ici. C'est pas grave, on remonte hein. Comment je refais pour... C'est bon. C'est bon, c'est bon. Petit contre-temps. Rien de grave. Rien de bien méchant. Oh, j'avais complètement oublié. Là-bas, j'étais surtout venu pour le cache de monnaie, quoi. Et non, finalement, j'oublie. C'est beau, ça, bravo. Ah bah, bravo. Hop. Je pense pas que non plus c'est un épisode, en réalité, on va faire grand-chose, hein, là. Ouais, bof, hein. Sans plus. Surtout en fait pour reprendre tout ce que j'avais raté. Enfin c'est pas vraiment raté, c'est ce qui était inaccessible. Par contre toi tu m'énerves. Putain mais... Pourquoi il bouge comme ça ce con là? Enfin voilà, oh là là. Donc il se trouve où? Il se trouve là. Bon, c'est encore un truc que j'aurais pu avoir j'en suis sûr. À la con en fait. Ouais comme d'hab hein. Parce qu'il se trouve... Putain. Aïe 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 aïe, à chaque fois ils sont vraiment mal cachés hein, mais bon, j'arrive quand même à les rater. Et là ça fait tellement de pièces. Parce que là du coup, en même temps j'en profite pour voir le prochain objectif. 268 pièces et du coup prochain objectif c'est ici même. Après on ira récupérer du coup le cache de monnaie, déclarer le monolithe et on verra ici là le truc avec avec la corde de fer ou je sais pas quoi là. C'est chiant quand t'as débloqué un nouvel objet mais que tu sais même pas comment le nommer hein. C'est plutôt embêtant. Est-ce que vous... Bah oui, on peut chuter, oui, c'est bon, on peut chuter, tranquille. Ah non, par contre, pas de courant. Non, c'est bon, y'a pas de courant. Direction le tombeau. J'espère qu'il va pas être trop compliqué ton tombeau là d'ailleurs. J'ai pas envie de rester traîné là-dessus. Donc, c'était bien à côté de la chute d'eau. Et je me trompe pas, normalement, du coup, c'est bien bloqué par.
par le nouvel objet qu'on a débloqué. Alors par contre, ouais, je vais être obligé d'emprunter le pont là. Donc je me rappelle hein, du plongeon qui était là-bas, mais bon ça, on va pas checker maintenant encore. Hein. Les défis de côté. Complètement de côté. Du coup, on va passer par là. Et du coup, suspense. Mais ça doit être ça, de toute façon, c'est pas un respirateur qui bloque. On va pouvoir y accéder. Effectivement, bingo bingo, ça fait plaisir. Ok. Nouveau tombeau du coup, le troisième de la zone. Oui d'ailleurs ici on pouvait... Ouais mais y'a rien. Hein. Non, y'a rien. Oui bon d'ailleurs pourquoi je fais ça? Direct comme ça. Voilà. Ok. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs. De toute façon on aura une carte hein, comme d'habitude pour dire ce qu'on a dans le tombeau mais... Je dois être vigilant tout de même. On a direct le feu de camp. Le ravin secret. Genre un ravin. Ah oui, effectivement. Effectivement, c'est un ravin. Peut-être pas secret, hein. Faut pas exagérer. Du coup, non, on n'a rien. Ça, ça me sert juste de checkpoint. Là, on peut... Ouh, vaut mieux pas tomber. Vaut mieux pas. Fortement déconseillé. Ici. Ah. Direct le sac d'explorateur pour me dire ce qu'il y a dans la zone. Je pense que ça va peut-être tout révéler. Donc c'est pas sûr. Secret dévoilé. Ok, on a un cache de survie ici. Est-ce que c'est tout? Je vois pas d'autres trucs clignoter en fait sur la map. C'est-à-dire qu'il y aurait qu'un cache de survie là dans la zone de ce tombeau là. Faut croire, ouais. En tout cas, il est plus en contrebas par rapport à nous. Ouais, il est un peu plus loin alors. Ça, fallait s'y attendre. Hop là. Vous m'avez pas fait peur là. C'est beaucoup trop paisible. Ah oui, on le voit d'ici clignoter. J'aurais même pas eu besoin du... De la carte pour le voir quoi. Oh putain, on saute direct hein. Il est... Ah oui, il est ici sauf que... Ok, ça m'était carré maintenant. Voilà. C'est nickel. Je vais pas dire que c'est sûr qu'on a tout, mais sûrement qu'on a tout. Pas une raison pour arrêter après de spammer l'instinct de survie. Ça c'est encore un trou ça. Ah merde! Ah bah ça par contre je m'y attendais pas. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain c'est un puits? Oh my god. La fosse du jugement. C'est pas un puits, c'est une fosse carrément. Ah mais on n'est pas mort là, pas dans la fosse non plus hein. Aïe calamba. Bon, on y est du coup, le tombeau. Ouais, ça n'a pas l'air si grand que ça. Est-ce qu'après l'ennemi est compliqué, je sais pas. On va un peu fouiller tout ça. Déjà, est-ce qu'il y a des trucs sous l'eau? On peut aller sous l'eau, mais il y a l'air de rien avoir. On n'a toujours rien eu sous l'eau hein, en réalité en termes de trucs secondaires cachés, non. Non, non, c'est très spécial. Putain, c'est... Oh, c'est de l'or, ça? Oh, c'est hyper stylé. Je crois que c'est de l'or. Hein. Je sais pas. Il y a du minerai, en tout cas, ça, c'est sûr. Il y a l'air de rien avoir sous l'eau, hein. Par contre. Non. Non, non, non. Bon. Alors, ça, c'est quoi? Donc là, déjà, c'est obstrué. Il va sûrement falloir le dégager. La zone a l'air pas si grande en fait, pas l'air d'avoir énormément de trucs, c'est quoi ce bordel? Alors pousser des chariots, c'est ça. Un moyen de faire pivoter la plateforme. Ah, il y a une relique. Ah bah finalement non, il n'y a pas que le cache de survie. Oh la feinte. Une vieille bague attachée à une lanière pour former une boucle. Il n'avait pas besoin de bijoux. Là, il n'y a rien de caché, c'est bon. Ok, il y a l'air d'avoir... Il y a un document là aussi. Putain, il y a plein de trucs cachés, donc faut faire gaffe en fait de pas rater. J'étais consciente des risques. Je savais que la garde de la cité finirait par m'attraper. Le jour, je dois extraire de l'or et d'autres minerais de la roche. Ok, c'est de l'or du coup. Jusqu'à ce que mes doigts saignent pour accroître la richesse de Kitège. La nuit, nous faisons pénitence, implorant le pardon de Dieu et du prophète.
Ils espèrent sauver nos âmes, nous racheter. Je m'incline quand ils me le demandent. Je prends un air contrit quand ils énoncent mes péchés. Et quand ils me libèrent, je retrouverai le monde et ses plaisirs. Ok. Effectivement, ici, il y a des petits corps. Ah, bon, on a un chariot. Je peux le pousser, mais je pense que ça sert à rien. Ah, mais de toute façon, attendez, il y a ça qui bloque. Attendez, attendez, on va tester. Ici, de ce côté... Ah! Oh! Ah, la planque! Ah non, ici... Ah, ici, ça se fait pas, ce genre de planque-là. Hein. C'est encore pour un document, du coup. Ah non, c'est une carte! Ah bah voilà, là, on va vraiment avoir tous les trucs de la zone. Ah bon, les forces à prier, effectivement. Et là, ah oui, du coup, c'est parfait. Donc, il y a deux cages de survie, une relique et un document. Ils sont tous en contrebas. Bon, on va essayer de récupérer tout ça. Hein. Mais ça, c'est moche, par contre. Ça, c'est sale. Ça, c'est sale, c'est sale, c'est sale. Alors, par exemple, si je mets un marqueur sur ça, il est où? Il est là. Ça, je vais regarder pour tout. Ah, il est. Ah, donc ça, c'est sûrement pour la suite. Quand on aura le trésor. Ok. Ça. Ah, ok. Donc ça, c'est là. Donc ça, on pourra y accéder normalement. Et l'autre, il doit être juste à côté. Le cache de survie. Ah non, il est en haut. Ok. Bon. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc ça, je peux le pousser, mais normalement, ça va bloquer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, là, je vois le truc, hein. C'est clairement ça. Voilà. Pour l'instant, rien d'une énigme, hein. C'est la logique même. Je vois pas où est l'énigme, pour l'instant, en fait, dans ce truc, mais bon. Ouais, j'ai sûrement envie de trouver, hein, les... Pourquoi je peux pas y aller, là, par contre? Ok, c'est très bizarre. La relique. Des dés à jouer. C'était une pratique courante chez les soldats. Mais ceux-là sont particulièrement beaux. Il est surtout pipé, ouais, il n'y a que des 6. Il y a un peu le dé de la triche, quoi. Il n'y a que du 6. C'est triste. Ah, la manette a plus de batterie. On va recharger ça. Parce que sinon après c'est un peu la merde. Voilà. Alors. Donc ça c'est... Attends, je vais peut-être pas activer ça tout de suite. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas pour l'instant. Le chariot. Le chariot, on peut le pousser par là. On peut le pousser par là aussi du coup, non? Oui, aussi. Ah 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 ah, on a un brin d'énigme là. Jusqu'à où on peut le pousser? Ok, et ça c'est quoi? Parce que je veux bien que ça tourne, je veux bien qu'il y ait une corde même ici. Quelle utilité de ce truc? J'ai une tête dans le mauvais sens. Je vois pas du tout ce que ça fait, hein. Ouais mais non. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah! Il y a un accès là. Je l'avais pas vu. Ok, donc ça nous sert pas. Putain, j'avais même pas vu ça quoi. Hein. Après ça m'a tapé à l'œil, c'est sûr, mais sinon j'avais pas vu. Donc c'est par là qu'on va monter, justement. Et là il y a le cache de survie. Voilà. C'est peut-être avec ça justement que ça se joue. Les deux trucs restants, ils sont pour après. Même si je pourrais déjà prendre la, je sais plus quoi. Hey Viv, j'ai eu un trophée, donc je sais pas à quoi ça correspond lui, mais bon, c'est sûrement par rapport au cache de survie, peut-être ramassé à moitié, je sais pas. Un truc comme ça, donc ça. Du coup. Ça sert à quoi? Hein, je peux activer ici. Ah, ok, c'est un ascenseur. Je voyais pas du tout ça comme ça.
Ah, je vois du coup clairement ce qu'il faut faire. Hein. Faut amener le wagon, quoi. Faut amener le wagon, donc faut faire tourner ça. Comme ça. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est pas une énigme, hein, tout ça. Là, voilà. Et après, du coup, on va faire monter le truc. Peut-être quand même le bloquer, le wagon, non? Je pense pas, forcément. Et on va monter le truc, normalement, et ce sera bon, en fait. On va le pousser jusqu'au bout. C'est bizarre que ce soit si simple, en fait, je sais pas. Je trouve ça louche, moi. Hein. Mais ouais, le truc sera un peu trop simple, parce que là, on a plus qu'à faire monter. Ah bah d'ailleurs, oui, j'ai même pas besoin de monter, en fait, le truc est ici. Et genre, voilà, tu fais monter ça. Ah! Je vois, c'est une question d'alignement. C'est une question d'alignement, parce que là, du coup, il est pas bien aligné par rapport à la voie. Ok. Ça change rien, en fait, que je vois quand même ce qu'il faut faire. Donc là, du coup, il faut le faire tourner... Bah, faut lui faire, en fait, un demi-tour. Faut lui faire un demi-tour, ouais. Comme ça. Hop, hop. Et encore. Et là, du coup, il sera bien orienté. Normalement. Normalement, il sera bien orienté. Même si je commence à avoir des doutes un peu, là. On est à chaque fois dans le mauvais sens. Hein. Et non, même pas. Bah, c'est un quart de tour alors. C'est un quart de tour. Ouais, c'est un quart de tour. Bon, c'est pas une très dure énigme. C'est juste le temps de comprendre. Après, est-ce qu'il y a que ça? Je sais pas. Peut-être, hein. Je sais pas, non. Je pense pas, ce serait trop peu. Donc là, ce serait juste en fait un quart de tour. Genre, si je fais tourner ça juste une fois. N'importe quel sens en réalité en plus. Hein. Mais genre comme ça. Voilà. Non, j'interagis avec ça et je le fais monter. Nickel, voilà, parfait. Et là, bah, on n'a plus qu'à le pousser le chariot. Hein. À part l'autre côté du coup. Bon. Ouais. Espérons que ça s'écroule pas. Ah oui, il va m'emporter, hein, le coquin. J'ai pas intérêt à rester devant ce truc. Oui, effectivement. Non, normalement c'est bon, ça va péter le truc. Il y a après, il y a l'autre wagon en fait. Alors ça suffit. Ah non, ça suffit en fait, mais. Donc, il servait vraiment à rien ce wagon. J'espère que ça suffira. C'était ça l'énigme, c'était pas une énigme, hein. C'était juste une question de logique. Mais c'était pas du tout une énigme, hein. Mais il servait à rien du coup, ça. Très bien. Un tape à l'œil pour dire hey, un truc, mais non, il n'y a rien en fait. Ils sont malins. Hein. Putain, déjà à 28 000 d'épisodes, par contre, ça passe trop vite. Hein. Oui, oui, oui. On va voir s'il y a la. Bah oui, il y a la récompense. Je suis presque. Ah, mais c'est pas terminé. Mais je me disais bien, il faut l'autre wagon. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'autre wagon? Déjà, maintenant, je vais mettre le marqueur sur le document vu qu'il reste plus que ça. Le document, normalement, est dans la salle du trésor. Ouais, il est là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Parce qu'on n'avait pas de truc à actionner, je crois, de mécanisme. Est-ce qu'on a un mec? Ah oui, on a un mécanisme aussi ici. Ah bah oui. Bah maintenant on sait comment ça marche, donc bah, celui-là il est simple du coup, non? C'est juste comme ça. On a encore. Et tout bêtement, c'est ça. Hein. Un chouïa. Voilà. Oui, c'est juste ça. C'est juste que j'avais pas vu. Donc, normalement, oui, celui-là, tu le fais avant. Hein. Bah, ouais, il y avait rien de compliqué du coup. Hein. Là, je peux pas encore le pousser. Faut toujours le tirer. Après, tu peux pousser. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Hein. Non, il était facile ce tombeau. Hein. Il était vraiment facile. Eh, ça va encore exploser. Putain, il y a de l'or quoi dans le wagon. On peut pas le voler ça. Enfin le prendre. C'est même pas du vol. Ouf, voilà.
Et là, du coup, c'est nickel. Pas très subtil, mais efficace. Oh, bah, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, de toute façon. Faut pas être subtil. Ça a marché. Heureusement que ça a tenu le coup. Qu'est-ce qu'on va débloquer? Aucune idée. Putain, la tête est tout en or. Ça, c'est pour French Burger. Tête en or. Direct, direct. Du coup, on va prendre ça. Hop. Par contre, faudra se taper tout le chemin. On n'a pas de raccourci pour retourner à... non, merde, on peut pas. Enfin, si, peut-être, je sais pas. On va voir. Telle une fleur qui éclot, la vallée ne cesse de dévoiler ses richesses. Chaque année, de nouveaux bâtiments sortent de terre. Nous avons produit une génération d'artisans, d'astronomes et de philosophes capables de rivaliser avec les plus grands génies de l'Occident. Mais partout où la civilisation s'installe, le crime et le péché fleurissent. Nombreux sont ceux qui pensent que ces pécheurs devraient être exécutés. Mais le prophète s'y refuse. Il croit que chaque homme peut se racheter. Nous leur laissons donc la vie sauve, et leur enseignons l'ascèse et les saintes écritures. Contrairement au prophète, je ne pense pas qu'ils puissent être sauvés. Mais au moins, ils serviront la cité et ceux qu'ils ont offensés. C'est très violent encore tout ça. Ok, bon, alors, quelle capacité ça va nous octroyer? Chaque fois c'est le mystère, hein. Tu sais vraiment jamais à l'avance ce que tu peux avoir. Un codex byzantin du 10e siècle, sur l'exploitation des mines et le travail du métal. On va avoir plus de trucs géologues. Ça va nous permettre de détecter. De bonnes connaissances en géologie permettent une extraction efficace du minerai de chromite et vieux sur carré pour commencer l'extraction lorsque vous êtes près d'un filon souverain. Minerai de chromite, c'est-à-dire que c'est un truc qu'on pouvait pas avant récupérer. Je sais pas du tout. C'est ça? Ah non, c'est pas ça. De toute façon, on est plein là en termes de minerai. Bon, je sais pas vraiment pour l'instant si c'est une réelle efficacité ce qu'on a récupéré là. Mais c'est un tombeau en plus de réussite, donc on crache pas dessus. Et du coup, il resterait normalement plus que deux tombeaux là en plus dans le jeu en fait. Bah, il reste un tombeau ici, mais ouais, normalement il resterait peut-être plus que deux tombeaux dans le jeu. Facultatif. De toute façon, oui, forcément, c'est plus qualitatif. Bon, bah, on va se rendre ici de retour, du coup. Hein. Je pense que c'est par là la sortie. Même si, du coup, comment on va faire en fait pour vraiment sortir? Bon, on va trouver une solution. Ça peut pas être par là, j'avais pas vu d'issue. Je crois. Hein. Et là, on est déjà. Bah, ouais, finalement, on n'aura pas fait plus de choses que ça dans cet épisode. Je suis quand même allé au monolithe et voir également le truc que je voulais checker. Mais sinon, à part ça, ouais. Ah, effectivement, on peut remonter par là. J'avais même pas vu. Surprise. Accroche-toi par contre. Merci. Ok. Ça va être chiant ça à remonter. Ça va être trop trop chiant. Allez Lara. Non. Non. Oh, je déteste ça à chaque fois. À chaque fois ça me le fait. Hein. Ça veut jamais s'accrocher. Allez là. Oui, putain. Heureusement qu'on a ça parce que là elle serait pas accrochée encore. Hein. Et du coup, on peut. Vous pensez qu'on peut y aller là en face? Ah, moi je pense que oui. Hé hey. Putain, mais je suis encore tombé. On peut vraiment pas? J'ai trop envie de tester moi, c'est ça le pire en fait. Je sais pas, il y a l'air d'avoir un truc en face. Ouais, en même temps, non, c'est con parce que ça nous mènerait où tout ça? Bah, vers une sortie plus proche. Je sais pas. Ça servait à strictement à rien, je voulais un peu cutter, mais non, ça marche pas. Enfin, cutter, aller plus vite, quoi. Mais du coup, c'est bizarre parce qu'elle s'accroche. Mais après, je sais pas, ça se décroche. Est-ce que c'est moi qui fais une connerie ou c'est le jeu? Ma pauvre Lucette. Ouais, je peux quand même réessayer encore, non? Regardez, il y a un truc, hein. Non, je rêve pas, il y a un truc, arrête. Alors vraiment, c'est bizarre. Et non, elle veut pas. Non, elle veut vraiment pas. Hein. Non, bon. Je vais dire qu'il y a rien. Ou alors c'est vraiment moi qui galère, mais. Non, c'est bizarre. Ça veut pas, moi je dis. Donc on va laisser tomber. Hein. J'ai beaucoup trop testé là. Donc, c'est non. Ça passe pas. Non, mais ça, c'est ultra utile par contre. Hein. J'arrête pas de le dire, mais non. C'est ultime truc. On va mettre un marqueur direct sur le monolithe. Ah oui, il y avait ça du coup aussi. Le cache de survie que j'ai même pas récupéré au passage. Ouais.
Et sinon, ici, j'ai tout récupéré. Ouais. T'as 61% de la valeur jetarique, ça avance, hein. Doucement, mais sûrement. Souvent, c'est quand même les 50 premiers pourcents les plus longs. Après, ça va tout seul. Forcément, parce que pour alors, après, t'as tout débloqué. Enfin, approximativement, en tout cas. Hein. Bon, là, il manque le respirateur, hein, mais bon, sinon, le reste, c'est bon. Ok, on va pouvoir sortir. Enfin, à chaque fois, c'est tout un chemin, là, pour quitter ces endroits-là. Pour quitter ces tombeaux. Ouf. Ah non, j'allais dire, ouf, on est dehors. Non, non, pas encore. Une minute, papillon. Mais attends, il est en hauteur, tout... Képépépépé, quoi ? Il est en hauteur, le cache de survie ? Comment ça se fait ? Il est où, ton cache de survie, là, la con ? Comment ça... Ah, il y a un plongeon ici, d'ailleurs. Non, mais c'est... Merde. J'ai un peu gâché, là, le plongeon, hein. Ah, mais genre, ici, il y avait un plongeon. Bon, on va devoir y retourner, hein. Mais attends, mais... Il est où, ton cache de survie, là ? Là... Ça, c'est encore un truc à la con qu'on n'arrivera pas à récupérer parce que j'ai aucune idée de comment y aller. J'ai trop l'impression que c'est ça, hein. Là-bas, il y a un truc qui... C'est le Molodite, là, qui brille comme ça, là-bas. Peut-être. Ou alors, non, c'est un truc qu'on peut escalader, en fait, je crois. Juste, tout simplement, c'est ça. Du coup, plongeon, va pas falloir le rater. Je crois que c'était R2, hein. Enfin, un plongeon. Je crois que c'était ça, ouais. Mais comment on fait pour... comment on fait pour récupérer l'autre, là ? Je sais pas. Attendez. Il est pas à l'intérieur du tombeau. Ah mais non, il est là. Mais je dis des conneries, moi. Je suis perché. C'est ça, en fait, qu'on recherche. Oh là là, méga fanta, ça va plus, là. Ah, il tente d'arrêter, là. Ça va plus, ça va plus. Donc là... Mais j'ai encore raté. Mais c'est quelle touche, déjà, pour plonger ? Ah, c'est chiant. Je m'en fous, je vais réussir. Je m'en fous, je vais réussir. Faut juste que je retrouve la touche pour plonger. Je croyais que c'était L2, R2. Ou un des deux, en tout cas. Mais non, même pas. Bah si, pourtant, attends. On va pas galérer sur un plongeon non plus, hein. Voilà. Mais ça valide pas le truc. Ouais, mais ça se passe comment, tes plongeons, alors? Comment il faut les faire? Bah, je retente une dernière fois, mais si ça passe pas, ça passe pas, hein. Je le fais plus tard. Mais comment tu le fais, du coup, là? Parce que là, c'était un plongeon, ce que j'ai fait, hein. Et c'était, du coup, L2. Et c'est bien un truc à plongeon, hein, sans surveillance. Donc c'est obligé que c'est un truc à plongeon. Mais comment fait-on? Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne, ce truc de merde, là, mais... c'est un truc de merde. Ouais. Sûr que c'est ça. Tant pis. Je m'en souviendrai qu'il y en a un là. Bah, du coup, en fait, on a déjà 3 des 4 plongeons. Je crois qu'il y en a 4. Il ne manquera plus qu'un. Sûrement un endroit où on n'a pas encore été. Mais du coup, on n'a pas fait un seul, en fait, de plongeon. Ah, c'est grave. Ah, c'est chaud. C'est grave et c'est chaud. Le monolithe, j'arrive. Et là, tu sais aussi bien, je peux même pas le faire, le monolithe, mais si, normalement, c'est bon. C'est bon. Et du coup, lui, il était où? Il était bien caché, je pense, si je l'ai raté. Donc, parfois, c'est pas le cas, mais... il était tout au bout, en fait, c'est ça? Ouais, il était tout... Ah là là, ils sont souvent avec cul-de-sac, en plus, comme ça. Hein. J'aurais le savoir, pourtant, maintenant. Voilà. Plus 15. Eh, hey, pas mal. Pas mal. Et là, on a le monolithe. Alors, est-ce qu'on a assez du coup de niveau pour le décrypter? Certains oui, c'est bon. Ont été grattés, mais ça semble pointer vers quelque chose. Cache de monnaie révélée. Parfait. Oh putain, il y en a un en arrière. Il y en a deux en arrière. Bah, on y retournera plus tard. Il y en a un là, donc ça en a révélé 3. Ah bah j'allais dire c'est les 3 derniers, mais non. Ah si, parce qu'il y en a un déjà. Donc en fait, on a les 4 qui sont sur la carte, ok. Les 4 derniers sont sur la carte. C'est pas cool ça, c'est pas mal, c'est cool.
Et du coup, moi, pour finir, j'ai juste envie de checker le truc, là, avec notre nouvel objet, si on peut le faire. Une prochaine zone, ce sera là, hein. Du coup, on nous l'avait montré, donc c'est sûr que c'est ça. La nouvelle zone. Mais vous allez vite comprendre ce que je disais, en fait. Mais du coup, moi, je sais pas comment ça se passe. Regardez ça, voilà, ça. Ah, mais attendez, on va pouvoir s'y accrocher, là. Ah oui, c'est comme ça. Et ça va nous mener où, ça, du coup? Ça va nous mener, est-ce que c'est un nouvel endroit? Je sais pas, on va voir. Hop. J'ai cru au début que là j'avais fait le con, mais non, c'est bon. Hop, voilà. Et là on est où? Bah non, en fait on va... En fait ça n'a aucune idée parce qu'on va, on va aller là où en fait on va commencer le prochain épisode. Non, mais c'est tout de même cool, hein. On va pas cracher dessus, mais ouais, c'est vrai que là, c'est pas le mieux, quoi. Non, 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 non. Ouais, donc on est là, mais en fait, du côté d'en bas, donc ça n'a pas une réelle utilité. Non, ça n'a pas du tout une utilité. C'est encore pire que même, parce qu'en fait, ça nous quête complètement le truc, hein. Donc en fait, c'est juste un raccourci. Parce que là, en fait, c'est notre prochain objectif. On va pas y aller. On va pas y aller, mais du coup, ouais. On va s'arrêter là pour cet épisode. Ce sera déjà un bel épisode de 40 minutes. Sûrement qu'en off, c'est vrai que je l'ai pas fait depuis le début de let's play, mais bon, là, vu que c'est pour des caches de monnaie, ça sert à rien que je le fasse, en fait, avec vous. Mais je pense qu'en off, voilà, j'irai récupérer ça. Parce que je pense qu'on peut le récupérer, vu où il est placé, enfin, j'espère. J'irai également récupérer ça. Je verrai sûrement aussi comment ça marche au niveau des plongeons en off. Et bah ouais, je récupérerai ces deux trucs et du coup j'essaierai de voir comment ça marche les plongeons. Et puis voilà, pour le prochain épisode, du coup pour préparer l'épisode 30 qui sera sûrement plus long. Donc épisode 30, on fouillera cette zone, on ira par là et sûrement qu'après on fouillera également cette zone là. Donc dernière zone de la vallée au géothermique. Et peut-être même avec un peu de chance qu'on pourra aller vers l'espèce de cathédrale là pour trouver l'Atlas. Ouais. Ah d'ailleurs, attends, j'avais même pas vu l'objectif passer en douce dans le village occupé ou faites face à l'ennemi. Ah, donc en plus, le village est occupé ici. Ok. Donc c'est le village qui était en feu, là. Maintenant, ils l'ont occupé depuis. Bon, je sais pas. On verra ça de toute façon. Du coup, bah, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Ça me fera extrêmement plaisir. Allez, bye, tout le monde. We're...